Salut à tous, on est au mois de décembre, c'est juste, ça passe trop vite. Et je suis vraiment désolée parce que j'ai pas fait de vidéo comme ça de maquillage, vous et moi, depuis le mois de juillet quoi. Tout ça pour dire quand même que j'ai une bonne excuse, parce que oui, il faut bien avoir une bonne excuse. J'ai trouvé la perle rare en fait pour garder mon petit bébé Victor, c'est Samia. Coucou Samia, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et du coup, j'ai repris le travail et j'ai moins le temps de faire des vidéos, j'ai moins d'énergie. Mais là, ça y est, c'est bon, c'est décidé, on s'y remet. Fini les procrastinations, essayez d'appeler ce mot. Et on s'y remet quoi. Et qui dit mois de décembre dit Noël. Et j'ai envie de vous faire deux vidéos par semaine, une le mercredi, une le samedi, jusqu'au 25. Ça fait 7 vidéos. Et dans ces 7 vidéos, je vous fais gagner 7 lots, petits lots de maquillage, soins, des choses que j'adore. Mes petits chouchous en fait, que j'utilise tout le temps et que je rachète tout le temps. Voilà, donc je vous montre ça à la fin de la vidéo. Vous verrez mes petits produits fétiches et même mon parfum favori. Voilà, que je porte depuis des années. Je voulais racheter, je voulais prier pour vous le faire gagner. Et pour gagner ces cadeaux, c'est très simple. Je vous mets tout en barre de description en bas, mais en gros, vous partagez ma vidéo ou alors, je sais pas, j'ai pas encore décidé dans quelle façon je vais faire ça, mais bon, en gros, faut s'inscrire à ma chaîne évidemment, peut-être commenter sous la vidéo, enfin voilà, des choses comme ça. On va voir comment on s'organise. Parce que j'y ai pas encore vraiment réfléchi, mais en tout cas j'ai envie de vous faire gagner tous ces petits cadeaux, ces petits lots, ces petites choses que j'aime bien. J'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, et donc on va faire un maquillage de fête, évidemment. Donc j'ai déjà fait mon teint, donc on va passer directement à ce qui nous intéresse, le maquillage des yeux. Et je vais utiliser la palette de chez Morph, qui est donc la 15S, et qui se présente comme ceci. Je ne sais pas. Avec des bleus, des verts sapins, des roses irisées, des roses de fou. Voilà, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais comme d'habitude, je vais faire une petite impro avec cette palette. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, alors c'est parti. On va commencer par prendre un petit pinceau comme ça, un peu fluffy, pour faire la teinte de transition. Et pour faire cette teinte de transition, je vais utiliser le petit orangé comme ça, qui s'appelle Lettergram. Ah, je suis vraiment rhumée, c'est horrible. Donc c'est un petit couleur abricot un peu. Assez lumineux, assez joli. Il me fait penser à un dans la palette d'Anastasia qui s'appelle Orange Soda, que j'aime beaucoup. Si vous voulez voir ce fard orange soda d'Anastasia, je vous mets là, je crois, dans le petit i, je sais plus, je suis perdue, dans le petit i, la vidéo dans laquelle j'utilise cette palette avec ce fard qui s'appelle orange soda, qui est assez proche de celui-là. Ah oui, parce que j'ai aussi eu la grippe et la crève et la gastro. Je pense que j'ai pas chômé ces dernières semaines. J'ai pas chômé ces dernières semaines niveau médicaments, repos, travail, bébé, etc. Donc j'ai quand même des excuses pour pas avoir fait grand chose en vidéo YouTube. Voilà. J'étais pas belle à voir, on va dire. Bon, bref, je vais passer avec un pinceau de chez Sigma, le E57, que j'adore, comme ça, qui est un petit peu touffu quand même. Et je sais pas, qu'est-ce que je vais prendre? Je suis en kaki. Allez, j'ai envie de partir sur un comme ça. Le Squad Goals, qui est un vert sapin irisé, bronze. Super beau. Et je vais faire, je pense, un maquillage halo. Quoique,
quoique. Non, je vais déjà commencer par le coin externe. Et on va voir ce que ça donne. Des reflets métallisés trop beaux. Mais en fait il est duochrome. C'est joli. C'est entre le vert bouteille et duochrome un peu, je sais pas comment dire, cassis. Je sais pas trop comment expliquer. Bref, c'est joli. Tac. Pour l'instant je la pose comme ça. Je vais apposer mes couleurs et après je viendrai les fondre entre elles. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien procéder. Donc prendre un autre pinceau. Et là je vais partir. Je crois que je vais partir en vrille totale. Ah quoique. Non, il y a celui-là. Voilà, je vais faire ça. Je vais faire un dégradé comme ça, vu qu'il y a un petit peu de cette couleur-là dans le Squad Goals. Donc là je vais partir sur le Side Hustle, qui est un lit de vin irisé que je vais mettre juste à côté. Puis on reste vraiment dans l'esprit de Noël avec des couleurs dans les roses rouges, couleurs vert sapin, lit de vin. J'aime bien. Et ça rime. Donc je garde ces deux pinceaux là de côté parce que je vais les utiliser pour fondre tout ça. Et je vais prendre mon dernier pinceau qui est un pinceau de chez Paris Berlin numéro 3. Et je vais prendre celui-ci donc qui est un vieux rose irisé. Insta Famous. C'est le nom du phare évidemment. Et donc je vais venir hop au coin interne. Finir mon dégradé. Ça brille. Voilà, maintenant que j'ai posé mes couleurs, je vais revenir, je vais venir bien les travailler, les fondre entre elles en passant d'un pinceau à l'autre. Essayez de dire cette phrase rapidement. Vous allez voir. En passant d'un pinceau à l'autre, en vous pinçant le nez. Quelques chutes, mais franchement ça va, c'est pas la cata. Je remets pas forcément de matière sur le pinceau avec le vert. Il est déjà bien présent. Je viens juste les fondre en fait entre eux. Voilà, maintenant je vais prendre un pinceau sec, enfin sec, sans rien dessus, un peu fluffy, et je vais venir vraiment dégrader les bords. Flouté quoi. Je vais reprendre le même pinceau que j'ai pris pour le vert et je vais prendre le vert Meme Girls, bizarre, je ne sais pas. Et je vais faire mon red seal inférieur avec. Oh, j'adore. Ça fait longtemps. Hein. J'adore. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai dégradé mes bords un petit peu. Je floute.
légèrement. Je vais même, vous savez quoi, je vais même prendre le pinceau avec lequel j'ai pris le orange au début. Je vais venir le flouter. Ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau boule. Et je vais venir prendre celui-là, le Now Trending. Hop. Je vais venir faire le coin interne. Et un peu rejoindre en dessous. Évidemment, c'est pas fini parce que vous me connaissez, moi il faut absolument que je mette un crayon en muqueuse inférieure et du mascara évidemment, et j'ai pas pris mes crayons donc je vais les chercher maintenant. J'ai le crayon parfait pour aller avec ce maquillage, c'est le Ocean Field de chez Kiko. C'est juste trop beau, j'adore, il est trop beau. Et je pense que ça sera la bonne couleur. Oh non. Il va être beaucoup trop bleu. Il va être beaucoup trop bleu, vous voyez. Donc je vais prendre il est où? Il est là. C'est pareil, c'est aussi un de chez Kiko. C'est les Lasting Precision, vous savez que j'aime beaucoup ces crayons. Le numéro 10. Et lui va être beaucoup plus vert. Et je pense que là on est pas mal au niveau de la teinte. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre du mascara, évidemment du rouge à lèvres. Le mascara, c'est le Stand Out Volume de chez Kiko aussi en waterproof. Je l'aime bien, voilà, il est bien. C'est vraiment beau, je suis contente. Petite impro réussie, c'est pas toujours le cas. Ça fait vraiment les couleurs de Noël, j'aime beaucoup. Ça m'avait manqué, vous m'avez manqué. Ça m'avait manqué de faire une petite vidéo comme ça. Tranquille, toute seule dans mon salon. Avec vous. Oui, je mets beaucoup, beaucoup de mascara. J'adore ça. J'adore quand il y a beaucoup de mascara. Je vais essayer de voir si je peux vous emmener au travail avec moi. Un de ces quatre. Je vais leur demander l'autorisation. Je parle pour E égale M6 Family. Voir si Gaëlle, Marie et MacLexGee sont d'accord et si la production est d'accord. Je vous emmènerai, je vous ferai un petit vlog de ce qu'est qu'une journée de tournage de E égale M6 Family. Voilà. Eh bah écoutez, moi ça me plaît bien pour l'instant. Je vais mettre à fond là, tac, pour vous montrer. Ouh. Je vais mettre le rouge à lèvres. Alors c'est un de chez Kiko aussi. Non, pas du tout. J'ai choisi un liquid lipstick de chez Awa Cosmetics. Je les adore. Voilà, et là c'est la couleur Forever, qui est un rouge cranberry irisé, enfin métallisé même. Oh, j'adore. Et voilà pour mon petit look, mon premier look de Noël. J'espère que ça vous plaît. C'est évidemment too much pour aller dehors en journée, etc. Mais c'est un maquillage de fête assez sympa, je trouve, avec un joli dégradé, des couleurs irisées, festives.
Pour participer au concours, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo qui me dit avec qui vous allez passer Noël cette année. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai faites. Il y a déjà quelques temps de ça, je suis encore vraiment désolée. Je vais me rattraper, c'est promis. Maintenant, on y va, on charbonne, c'est parti. On fait des vidéos, on fait des maquillages, on travaille, on s'occupe de son enfant. On fait tout en même temps, Daphné, il n'y a pas de raison. On y arrive. On n'est pas les seuls à faire ça. Hein. Bon alors, on y arrive, voilà. Et puis c'est tout. C'est tout pour moi. Pff, salut, à bientôt. Bah enfin, à très bientôt même, puisqu'il y aura 7 vidéos. Et 7 lots de maquillage à gagner ce mois-ci. Donc n'hésitez pas, restez connectés. Bisous. Ciao. Alors voilà un peu ce que j'ai chopé pour vous. Et donc il y a pas mal de choses. Et plein de gloss ici de chez Awa Cosmetics. Vous avez 2 petits kits de 3 gloss de chez Makeup Revolution. Il y a plein de masques pour le visage. Il y a du maquillage de chez Kiko. Vous avez des crèmes pour le visage, des soins pour le visage, un duo de, ça c'est ce que j'adore de chez The Body Shop, donc un gommage plus la crème, tout un kit de masques pour le visage au miel, non à la noix de coco celui-là, pardon, j'ai pas pris miel, j'ai pris noix de coco. Qui est vraiment génial, j'adore ce truc, c'est une tuerie. Des gels douche de chez Yves Rocher, donc les deux parfums que je préfère, donc pêche et anis, et fleur de tiare ylang ylang, une tuerie. Et vous avez également un parfum qui est mon parfum préféré de tous les temps de chez Clinique, qui s'appelle Happy, et voilà. C'est le parfum que je porte tout le temps et que j'adore. Et du coup, je vous l'ai pris parce que franchement, ça sent trop trop bon. Voilà, tout ça, c'est pour vous. Et bah, j'espère que ça va vous plaire. Une petite éponge aussi exfoliante pour le visage. Des petits trucs, plein de petits goodies. Ah oui, ça c'est, vous savez, le rouge à lèvres avec une fleur à l'intérieur. Une vraie fleur à l'intérieur. Donc voilà, crème apaisante. Masque confort apaisant de chez Nocibé, je les adore ces trucs, c'est une tuerie. Crème pour le corps à la fleur de tiare, ça c'est pareil, c'est génial. Et un petit shampoing sec à mettre dans le sac à main, ça c'est toujours bien d'avoir ça dans son sac à main. La Chlorane évidemment, forcément, c'est voilà, la marque pour moi, pour les cheveux que je kiffe. Voilà mes petits bouchons, j'espère que ça vous fait plaisir, tous ces petits cadeaux de Noël. A très vite, bisous.